excellence. Les trois derniers qui rentrent sont bien sûr les médaillés, la médaille de bronze, actuellement la future médaille d'argent. Et voici le couple champion de France qui rentre maintenant, dont on parlera d'ici quelques instants. Et monsieur Frédéric Bouix, délégué général de la Fédération française d'équitation, qui va remettre les récompenses. À la 8e place, le gagnant du parc équestre de Verrières, Azalée Méranière et Mathilde Lafetteur. On va demander tout de suite à trois personnes de bien vouloir venir les trois médaillés pour qu'on puisse venir au pied du podium. À la 7e place, sous les couleurs de l'écurie Pierre Bottin, Passoane Gilles et Elisa Leyondre. Ils arrivent 6e, représentent la SPTT Nancy, Nancy Sport Équestre, Orage Lamandour et Léa Bonne. Ils sont 5e sous le prochain Marie-Miss Tétard. Et à la 4e place pour l'écurie de Moncel, Rival d'Angèle et Delia Rennes. Delia René. Alors, chers amis, le principe, c'est donc on vous met en fin de démarche. Voilà. C'est bon? Voici les meilleurs sur les 89 au départ, on leur fait un triomphe, ils montent sur le podium, voici les médaillés. Sur la troisième marche du podium, elle nous vient de l'écurie de Mornay, elle était associée à Silver Gold. Voici la médaille de bronze, Marine Girardin. Sur la deuxième marche du podium, elle nous vient de Villeneuve-la-Garenne, de l'UCPA Sport Loisirs des Chanteraines. Elle montait Kimiak, voici la vice-championne de France, la médaille d'argent, Fanny Guillemont. Et les supporters. Et sur la plus haute marche du podium, voici une cavalière qui représentait l'écurie de la basse Zorn. Elle était associée à Chadisco du Serein. Voici la championne de France de CSO Poney 2D Junior Excellence. La médaille d'or, la meilleure, Alizé Zine. Ils méritent, ils le veulent eux aussi, ce moment de gloire. Voici ceux que nous accueillons très chaleureusement maintenant. Les meilleurs, les coachs. Un grand bravo à vous, Frédéric Bouix est en train de récompenser les coachs qui ont largement mérité. Eh bien, nous allons demander maintenant à Hervé de vous accueillir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la Marseillaise. Thank you.
grand bravo à ces cavaliers du CSO Poney 2D Junior Excellence. On va demander aux médaillés de bien vouloir rejoindre leur poney pour quitter leur cadeau. Je rappelle que ce cadeau est fait par les grands corps. Ainsi de Maxime. Allez, je vais vous aider. Allez, si vous pouvez retirer les plaques, vous êtes réveillé. Alors, allez, juste une minute, on va. Je ne peux toujours pas retirer les plaques, c'est bon. Allez, on serre derrière la championne, s'il vous plaît. On attend que les piétons soient sortis. Voilà. Piste à main gauche, sous les applaudissements de la foule. Tour d'honneur musique. Je vous rappelle ce très joli podium, Marine Girardin, médaille de bronze, Fanny Guimon, médaille d'argent et la médaille d'or, Alizé Sine. Un bravo énorme aussi à Delia, Marie, Léa, Elisa et Mathilde. Allez, on va repasser maintenant tranquillement au trot. On va demander à Alizé de bien vouloir passer au pas et de rester quelques instants encore parmi nous. Les autres au trot et on sort par le bout de la carrière, s'il vous plaît. On sort par le bout de la carrière. Et on va garder pour un dernier tour celle qui remporte cette épreuve, la meilleure sur les 89. Applaudissements pour ce dernier tour pour Alizé Sine. Bravo Alizé, merci à toi, félicitations à ton poney, à ton coach, à ton club, merci et à l'année prochaine.